Eh bien, salut tout le monde, c'est Monsieur Spam, vous avez la pêche à patate. En tout cas, c'est pas aujourd'hui surtout une des vidéos. Donc, comme vous voyez, en fait, je sais pas si vous voyez, mais je suis en pleine mission. Donc, un peu, je posais aussi, j'ai une meilleure hachette. Ça, regardez, j'ai acheté une huile. Donc, je suis encore dans la même mission que j'ai arrêté hier, là, donc je vais un peu continuer hors vidéo, quoi. Donc, là, on est comme. Je suis comme dans un portail avec la fille. Et on doit rester dans son bouclier magique pour essayer de détruire les portails de la chasse sauvage. Pas je m'éloigne parce que ça me fait perdre des PV. Ah! Écoutez, lâche la tonne aussi. Ah! Allez, venez. What? Non, mais non, mais c'est trop dur. Oh là là. Oh, je mets tout le temps ce jeu, ça n'a pas de sens. Sentinelle du mage, je doute qu'ils soient venus ici pour discuter. Parce que tu y croyais vraiment. Ils n'ont même pas eu le temps d'attaquer.
Bon, cette fois, je crève pas, là. Allez, viens. Bon. Je crois qu'on va y arriver en fin de compte. Non. Juste les derniers, c'était tough là. Allez, dernière. Ah, ici, c'est que c'est. Ok. Non, si c'était.
Ouf. Ça va marcher. Hera. Est-ce que ça va? C'est rien. Ça va passer. Je suis juste un peu fatiguée. Ne t'évanouis pas. Maintenant que tu me tiens dans tes bras, jamais de la vie. Ce n'est pas que ça me dérangerait de rester ici avec toi, mais... je sais, on va continuer. Ils ont bloqué le passage. Laisse-moi faire. Ah! Bien. Poursuivez la sèche. Je suis intérieurement un boss fight. Avec Tim, je vais sauvegarder. Sale temps. Merci pour ton aide. C'était pas gagné. Heureusement que je t'ai accompagné. Sans moi, tu serais passé, hein. Allez, admets-le. Je l'admets. Désolé. Il nous attend. Du du du. Oh non, pas une boss fight. Oh. Et voilà. Gérald, je pourrais... Recule. Arrête de donner des ordres. Je me demande combien de temps tu vas faire.
Ah. Voilà. Tu es en un seul morceau. J'ai cru. Tu as mal cru. Je... Le laboratoire de l'elfe, donc je m'appelle plus Kermès. Voyons ce que dit le message. J'irai, elle, cet endroit n'est plus sûr. Parle ici sans tarder. Ne fais confiance à personne. Et surtout pas aux sorcières du marais de Tatiché. Essaie d'atteindre le lieu de notre dernière rencontre. Le lieu de notre dernière rencontre. C'est un peu maigre comme indice. Peut-être préférable que son message soit cryptique. La chasse sauvage est passée par ici, ils ont sûrement vu la projection. Ils ont fouillé partout. S'ils avaient eu plus de temps, ils auraient certainement rayé cet endroit de la carte. Ça ne change rien au fait qu'on en est toujours au même point. Rien de neuf au sujet de l'elfe ou de Ciri. Au moins, nous savons maintenant qu'ils se connaissaient bien, et qu'ils voyageaient ensemble. Je n'ai pas dit que... Tu les connais, ces sorcières ? Je ne les ai jamais vues, mais... J'ai trouvé un vieux manuscrit à leur sujet dans l'une des huttes du village. Il raconte que les sorcières de village s'aventurent parfois dans le marais pour jouer les intermédiaires entre les villageois et les moires. Les dames de la forêt. Les moires détestent les étrangers, mais elles protègent la région. Apparemment, ce sont elles qui auraient éradiqué l'épidémie de Velaine. Je vois. Et tu en penses quoi ?
J'aimerais y voir de simples contes de bonnes femmes, mais j'en ai rapidement eu le cœur net. Les premières semaines après mon arrivée à Velen, j'ai fait d'horribles cauchemars. Quelque chose m'appelait dans le marais. Une nuit, j'ai décidé d'entrer dans mon rêve consciemment. J'ai confronté la chose. Elle a tout de suite rompu le contact, et mes nuits sont redevenues paisibles. D'accord. Comment trouver cette sorcière ? Les marais sont vastes et dangereux, mais les moires marquent le chemin pour les paysans qui veulent leur rendre visite. Le manuscrit mentionne un hôtel dans le marais de Torséchine. À partir de là, il faut suivre le sentier des douceurs. Le sentier des douceurs ? Suis-je bête ? On ne vous lit pas de contes à Kermorren. Le premier paysan venu te dira que les sorcières vivent dans des maisons de pain d'épices montées sur des pattes de poulet. Je le croirai quand je le verrai. Prends ce livre et lis-le. Je crois sincèrement que tu trouveras ta sœur. Bien, commençons par chercher un moyen de sortir d'ici. Bonne ouais, votre room. Ah, nous perdons notre temps. Un truc personnage mis à jour. Oh, est-ce que c'est belle en vrai? En fait, on a essayé de le retrouver. Oh, attends une minute, R&D. Le roi, oh mon dieu, comment, regardez comment il est stylé. Oh. Attends, on te roche. Cauchemar, l'aide simulée de l'Alma, Sifoya. Notre ennemi juré sans pourtant tenir à terreur qui se paraît. Brigade de cavalerie des vétérans du monde. Sampsu Kavassab et Eredin. Bria Glass possédait l'ordre de sillonner les étoiles de ville. Il y a 6 étoiles. Le nôtre a fait du prévis. Il est peut-être présentement si dans il cherchait à se prier pour un unique obstacle. Gérald. Oh. Oh, mais il est trop stylé en vrai. C'est lui le boss final. Moi je capote, hein. Trismigol. Ah, ils ont déjà été ensemble. Triss pis Oh, peu importe. Pas qu'il est foutrou. Maçon concernant Syrie à l'aide. Un mystérieux mage herboriste. Est-ce que je me suis rendu à réparer mon épée? Un mystérieux mage herboriste. Ah. Attends une minute. La vie de Kate. Ok. Étrange. Mon médaillon vibre, mais je ne vois rien. Qu'est-ce qui cloche avec ce mur? What the fuck? C'est une illusion. Je l'ai senti, moi aussi. Je m'attendais à ce genre de choses. C'est pourquoi j'ai ramené ceci. Qu'est-ce que c'est ? Un œil de Néaleni. Il dissipe les illusions. C'est facile à fabriquer. Tu peux garder celui-ci. Il te servira sûrement. Ça te fera un petit souvenir de moi. Hein ? Merci. D'accord, c'était pas une vraie porte. Voyons où mène ce passage. Allez, je te suis, mec. Ben, mec, t'es pas un mec là, mais c'est pas grave.
verre provenant de la gauche. Il doit y avoir une issue quelque part. Bien. Allons-nous-en. Attends. Et la lampe magique? Quoi tu parles? La lampe. L'elfe me l'a promise en échange de mon aide. Comme je doute qu'il revienne, je vais me servir moi-même. Enfin, si j'arrive à la retrouver. Tu veux bien m'aider? D'accord, je vais t'aider. Formidable. Allons-y. Elle a blanc. Attends une minute. Ok, c'est toujours le V6. Allô? Allô? Pourquoi c'est bug? Ça m'a tout l'air d'une autre énigme. Oh, c'est bug. Bah faut jouer la salle, ok. Il y a une inscription par ici. Fais voir. Tu pourrais me traduire l'inscription. Je peux me tromper, mais le peu que j'en comprends n'a pas le moindre sens. Donne-moi un instant. J'ai jamais été très doué pour la langue ancienne classique. Bon, voilà. Je te préviens, c'est un peu littéral. Je suis incapable de rendre justice aux rimes internes du texte. C'est sans importance. Vas-y. Quatre gardiens, quatre flammes, fièrement alignées. Le premier qui alluma sa torche n'osa pas aller jusqu'au bout. Le second, à ses côtés, jouait une triste complainte. Le troisième flattait son compagnon fidèle. Le quatrième, du premier éloigné, jouait lui aussi un air. Ainsi veillait-il sur leur reine, endormie sous les étoiles scintillantes. On dirait une énigme. Bon, essayons de trouver la solution. Ok. Attendez. Ah mais il est basé dans le bon nom. Quelle est l'inscription exacte déjà? Quatre gardiens, quatre flammes, fièrement alignées. Le premier qui alluma sa torche n'osa pas aller jusqu'au bout. Le second, à ses côtés, jouait une triste complainte. Le troisième flattait son compagnon fidèle. Le quatrième, du premier éloigné, jouait lui aussi un air. Ainsi veillait-il sur leur reine, endormie sous les étoiles scintillantes. Ok. Attends une minute.
quatre gardiens, quatre flammes, fièrement alignées. Le premier qui alluma sa torche n'osa pas aller jusqu'au bout. Le second, à ses côtés, jouait une triste complainte. Le troisième flattait son compagnon fidèle. Le quatrième, du premier éloigné, jouait lui aussi un air. Ainsi veillait-il sur leur reine, endormie sous les étoiles scintillantes. Oh, ben là, c'est compliqué, là. Faisons un essai. Faut juste deviner le bon ordre. Quatre statues en tout point identiques. Faisons un essai. Faut juste deviner le bon ordre. Quatre statues en tout point identiques. Allô? T'as eu des problèmes? La torche s'est éteinte. C'est cher. De quoi? Ah, ok. Sa torche n'osa pas aller jusqu'au bout. Le second, à ses côtés, jouait une triste complainte. Le troisième, la torche s'est éteinte. Ok.
se tromper quelque part. Quelle est l'inscription exacte ? Déjà ? Quatre gardiens, quatre flammes, fièrement alignées. Le premier qui alluma sa torche n'osa pas aller jusqu'au bout. Le second, à ses côtés, jouait une triste complainte. Le troisième flattait son compagnon fidèle. Le quatrième, du premier éloigné, jouait lui aussi un air. Ainsi veillait-il sur leur reine, endormie sous les étoiles scintillantes. Yeah.
se passe quelque chose. Il y a du mouvement derrière ce mur. Espèce de sanctuaire elfe. À qui peut bien appartenir cette tombe? Elle ne porte pas la moindre inscription. Le signe de la mouette. Si je ne savais pas déjà. Enterré, je dirais qu'il s'agit du sépulcre de Lara Doran. C'est peut-être un monument en son honneur? Je vois mal les elfes ériger un monument à sa gloire. Pour certains, elle est l'héroïne d'une légende tragique, mais la plupart d'entre eux la voient comme une traîtresse. Et pense que son destin est une juste punition pour avoir épousé Cridenan de Lod. Le mage elfe est peut-être un descendant de Lara. Ça expliquerait pourquoi il aide Ciri. C'est possible. C'est ça que tu cherches. À quoi ça sert au juste? J'espère que je parviendrai à l'activer. Fichons le camp d'ici. Il était temps. Enfin, ça en valait la peine, non? Tu as tout de même appris quelque chose sur Ciri. Si jamais tu t'aventures dans le marais de Torséchin, viens tout me raconter à ton retour. Je ne sais pas si j'aurai le temps. Écoute, Geralt, il y a deux types d'hommes. Ceux qui saisissent la chance quand elle passe, et ceux qui la provoquent. J'ai toujours pensé que tu étais plutôt du genre à la provoquer. En plus, j'ai une faveur à te demander. Alors, passeras-tu me voir? Oui, je n'y manquerai pas. Dans ce cas, je t'attendrai. Au revoir, Kira.
Plus vite. Allez. Là, ou pas. Bon, je vais préparer mon épée. Geralt retrouva Yennefer et le sourire. Mais un événement capital attendait le sorceleur à Vizima. Il apprit que Cirilla, sa pupille, était de retour de son long périple et qu'elle courait un grand danger. Geralt se lança donc à la recherche de Ciri, sur ordre de l'empereur et injonction de Yennefer. Bienvenue, fidèle client. Que puis-je pour vous cette fois-ci? Montrez-moi ce que vous avez. Montrez-moi ce que vous avez. Adieu.
Bienvenue, fidèle client. Montrez-moi ce que vous avez. Adieu. Bon, si j'en reviens. Bon. Alors qu'il cherchait la sorcière avec laquelle Ciri s'était brouillée, Geralt tomba sur une vieille amie, Kera Mess. La magicienne lui parla d'un mage masqué disposant d'un repère dans lequel Ciri aurait séjourné. Geralt poursuivit donc sa route avec Kera en quête du repère du mage. Il s'avéra que Ciri n'était jamais parvenu jusqu'au mage elfe, mais la chasse sauvage, si. L'armée spectrale semblait avoir un temps d'avance sur Geralt. Alors qu'il commençait à perdre espoir, Kera lui fournit une nouvelle piste. Les moires du marais de Torséchine. Niveau 6, ah, je suis niveau 5. Ah, ben, ma question est de 6 XP. Ralentissons l'allure. Ah.
ordinaire, Ablett. Thank you.
Oh, c'est la vie.
Allez, niveau 6. C'est pourquoi vous avez des articles intéressants. Allez, vous fâchez son trésor avec moi à l'école de Viper. Gérald.
Geralt retrouva Yennefer okay. Et le sourire. Mais un événement capital attendait le sorceleur à Vizima. Il apprit que Cirilla, sa pupille, était de retour de son long périple et qu'elle courait un grand danger. Geralt se lança donc à la recherche de Ciri, sur ordre de l'empereur et injonction de Yennefer. Il reste de Gullgrim, d'accord. Quoi encore? Un site d'énergie. Il devrait y puiser. Mais comment on achète des consommables dans tout le jeu, je vais checker. On peut l'obtenir dans les auberges.
comme on se retrouve. Ah si. Merci de m'avoir sauvé la vie. On raconte beaucoup de choses sur les sorceleurs, mais j'ai toujours affirmé qu'il s'agit d'une... Je vois. Merci, que mec. Tu as réussi à sauver la marchandise. J'attends la réparation de mon chariot. Le temps passe et mes pertes s'accumulent. Vous cherchez quelque chose ? Pour vous, c'est moitié prix. Ah, mais merci. Voyons ce que vous avez en magasin. Bah, c'est trop cher, le PC. Au revoir. Ah bah attends, je vais buter les vaches. Il est chaud. Démon aux yeux clairs. Désolé, chaud, mais pour la bien crue. Je sais que je suis pas gentil, mais bon. Imagine, ça respawn. Et vous, vous pouvez nous délivrer du mal ? Voilà.
Bon, écoutez, ça va être tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!